Salut à tous. Salut. On est avec Guillaume. Voilà, on est sur un petit coup de pêche à la truite. Donc on est sur un parcours no kill, c'est ça? C'est ça. Un parcours no kill. On va essayer de faire des truites. Enfin, on triche là en disant ça parce que on vient de faire une session, une session d'anthologie, hein, clairement. De zinzin. Vraiment, il y a eu des poissons, des énormes poissons. Enfin, des énormes poissons. Pour nous, c'est des énormes poissons parce qu'on pêche pas la truite depuis très longtemps. Moi, c'est vraiment ma première saison où je m'y consacre vraiment. Toi aussi, je pense. Ouais, carrément. Vraiment. Donc, carrément. On est vraiment trop contents. Il y a même un record qui tombe dans la vidéo, donc je vous laisse découvrir ça. En tout cas, c'est même un... Juste à pêcher déjà, c'est plaisant, c'est un milieu magnifique. Donc on vous laisse regarder ça. Allez. Allez. Elle est énorme. Même un record qui tombe. Wouah, c'est placard. Oh oui, oh putain, il y en avait une derrière. Oh, elle était jolie. Hein. Oh, je l'ai vu, elle s'est retournée. J'ai vu le flanc, elle a fait demi-tour. Attends, j'ai pas lancé au bon endroit. Je pense un lancer, puis après on la tente au leurre souple. Hein. C'est rien de la retente à la cuillère. C'est mon premier lancer, elle aurait tapé dessus. Là, tu sais, elle a suivi, puis elle a fait un refus. Je relance une fois, sinon leur soupe direct. Ok, parfait. Non. Vas-y, je te laisse la tenter au leur soupe. Parce que je pense que cuillère, c'est mort. J'ai quand même tenté. Vas-y. Oh, t'as vu derrière, t'as vu? Non, j'ai pas vu. Oh. Elle était. Oh. C'était elle. Ah, elle était jolie. Hein. Oh putain. Je vois. T'as vu ça? Elle est jolie. Hein. T'as vu comment elle est venue comme une tarée? Elle est belle. Hein. Ouais. Là, ça replace à droite. Bien vu. Ah non. Avec ta petite créature. Ouais. Putain, incroyable, bien joué ça. Dommage. Bon là je pense que du coup le spot il est terminé, bonsoir. Voilà, ce bruit me plaît. Ouais, je vois. Bien vu. Ouais. On se ramène là. Bien joué ça. Oh le pavé. Pas mort. Avec ton insecte là. Ouais, ah, bien joué. Parti, je vais faire décrocher dans l'épuisette. Bien joué ça. Attends. Voilà. Ça c'est bouclé. Bien joué mec. T'as géré. En tout cas, elle était grasse. Hein. Bah oui. Elle faisait largement 35. Hein. Ah, c'est bon ça, yes. À toi. Là par contre n'hésite pas, c'est de l'autre côté. Ouais. Là j'ai fait trop de l'autre côté pour le coup. Hein? J'ai fait trop de l'autre côté pour le coup. Waouh, le monstre. Oh putain. Oh
Il est descendu ? Elle a suivi. Gros, elle faisait 50-55. Un monstre. Ouais, bah, tu... Au fur et à mesure qu'on avançait sur la rivière, les spots devenaient de plus en plus fréquents. Quand tout à coup, dans une fosse avec un bel herbier, un monstre sortit juste dans mes pieds. Elle est énorme. Elle est énorme, elle est énorme, elle est énorme. C'est mon record Guillaume, c'est mon record. Vamos. Vamos. Le prix dans mes pieds. Oh, oh l'adrénaline mec. Pouah, ce placard. A fait 45 gros au moins, non? Facile, ouais. Oh. J'ai rien pour mesurer par contre. J'ai ma toise. Pouah, m'a pris dans mes pieds gros, je faisais tac tac tac, pause. Tac tac tac, pause. Tac tac tac, et j'ai vu, boum. Je suis trop content. Ah moi aussi. La vache elle a pas eu peur. Bon allez vite. Il s'est mis juste sous là, sous l'herbier là. GG mon gars. Un record. Bon voilà, comme vous avez pu voir, magnifique action. Bah malheureusement je crois que ça n'a pas été filmé à la GoPro, mais l'attaque était vraiment folle. J'ai animé mon petit Jackie Chad, donc taille 50, coloris naturel, dans le courant. Ça faisait une petite fosse. Je faisais des tac tac tac, je laissais redescendre, tac tac tac, je laissais redescendre. Et une fois qu'il est arrivé devant moi, j'ai vu le monstre qui arrivait, qui a pris le Jackie. J'ai ferré et là j'ai ensuite allumé ma GoPro, mais vous n'avez pas vu la touche en direct malheureusement, mais c'était vraiment une sacrée touche. Ah, il y a Guillaume qui a un poisson. Bon, bah on y va, c'est parti. Bon, bah voilà, petite truite. Pris avec une petite cuillère numéro 1. Caperlan. T'as le focus. C'est bon. Doré, c'est ça? C'est ça, doré avec des tout petits points jaunes. Un peu comme... Comme un motif abeille. Et motif abeille. Je lance là vraiment dans le shallow où il y a très très peu de fond. Et elle m'a pris au bout du deuxième tour de moulin et c'était super bien piqué. Donc à mon avis, je vais continuer là-dessus et elle a l'air d'en vouloir. Parfait. T'as mis un assist hook, c'est ça ou c'est un hameçon normal? C'est un assist hook. Là ici, c'est ligaturé. C'est pas pratique. Dur. Ouais, c'est pratique ça. Donc du coup, ça épouse le mouvement du poisson. Donc parfait. Bien joué mon pote. Merci. Ça fait plaisir. Bon voilà, du coup j'ai pas eu le temps de vous dire, mais voici l'arme du crime. Un petit Jackie Chad en taille 50, voilà, coloris naturel, avec une tête plombée en 1,5 g, une tête plombée un peu à darté. Et c'est ce qui a décidé le poisson. Comme je vous ai dit, une animation dans le courant, tac tac tac, je laissais redescendre, tac tac tac, je laissais redescendre. La tête plombée à darté, ça va être bien pour faire ce genre d'animation. Donc je vais continuer avec la même méthode et espérer faire un autre poisson de ce calibre, ça serait juste magnifique, mais même déjà refaire une truite ça serait fou. Allez, c'est parti. Oh, décroché. Oh merde. Ouais. Mais d'accord. Je crois que c'est là-bas, ouais. J'ai vu le spot où elle a gobé. D'ailleurs, t'en avais une qui était derrière. Ah ouais? Ouais. Elle était pas vilaine du tout. Alors attends, elle s'est replacée. Tu vois les herbes qui sont un peu jaunes là-bas? Ouais. Elle s'est replacée juste devant. Essaye d'avancer un peu et de faire lancer devant. J'ai l'impression que c'était ça. T'es parfait là. T'es nickel. Oui, elle est sortie. J'ai revu ça. Ça, c'est une action collective. Elle est jolie en plus. Ça, c'est joli. Oh là là, c'est bon ça. Parce qu'elle est trop énervée. On peut se passer une dinguerie. Ça c'était bon ça. Qu'est-ce que c'est beau ça. Oh, l'action collective. Ça c'est encore un placard. En gros, il me semble bien que j'ai vu un truc te suivre. Et là je l'ai vu te suivre une deuxième fois. Hop, et voilà, encore une truite. Donc une belle truite d'ailleurs. Hop, là. On va la remettre à l'eau et je vous explique comment. Hop là, il y a là. Sinon on met là la tête là-bas. Voilà, parfait.
lui donner un petit coup de main. Ouais, qu'elle se mette dans le courant. Attention à ta canne. Voilà, c'est parce qu'elle pense qu'elle est cachée, alors du coup elle s'arrête. Yes, yes, yes. Faut qu'elle reparte dans le courant. Voilà. Voilà, parfait. Hop. Nickel. Planqué sur son herbier. Ah, encore la petite numéro 1 là, avec l'assist qui m'aide beaucoup, donc très peu de décroches, peut-être ouais. Deux, bah, deux même ouais, pas. Deux, même pas. Et encore c'était raté. Donc travail d'équipe avec... Magnifique, elle était postée juste là-bas, ouais c'est ça, juste là. Il prend une tape, ici, et il en déloge ici, une petite. Montre. Ici là. Toc. Et ensuite je prolonge moi mon lancer, j'en fais un poil plus loin et j'arrive à en déloger une plus grosse. Et elle me suit et elle se planque sous les herbiers en face. Ouais. Donc Jérémy l'a vu avec ses lunettes et moi vu que je suis pas équipé donc il m'assiste. Et il m'assiste hop, hook. Il m'assiste hook. Et ensuite deux lancers plus tard c'était pendu. Ah c'était magnifique. Et quelques secondes après Jérémy avec l'épuisette, c'était parfait. Ah, quelle franchement. Action, quelle action. Bah, je l'ai vu suivre. Et je me suis dit, elle suit, mais elle prend pas. Puis après, j'ai vu, quand elle s'est retournée, j'ai fait, ok, là c'est bon, je t'ai vu faire, j'ai fait, bon, allez, la faire dans le sac. C'est dessus. Magnifique truite de plus de 40. Voilà, ce spot-là, là, il a l'air fou. Il y a la fameuse, là, à l'ombre, là. Ouais, fameux, et puis surtout, là, tout le couloir, là, juste devant, où ça fait que des herbiers le long, là. Tu vois, là tout le couloir devant nous, là. Ah oui, il est terrible, celui-là. Puis, oh, bah tiens, il y en avait une postée juste devant nous. Petite. Raser les herbiers, là. J'en ai vu une suivre. Il y en a une qui a suivi, qui s'est replacée dans le courant juste après. Parce que j'ai pris de la merde. Oh, oui. Ah, elle est venue à deux fois derrière. Elle s'est reprise à deux fois. Les touches manquées que j'ai subies sur ma cuillère avec des points rouges m'ont laissé penser que le pattern était plutôt orienté sur une cuillère plutôt de couleur unie or, comme celle de Guillaume. Donc j'ai essayé de repasser pour contraster sur ce qui avait marché. Donc le petit Jackie en 1,5 g a twitché dans le courant. Comme ça avec Guillaume on avait deux types de vibrations complètement différents et ça a permis de, pour ma part, de déclencher quelques touches. J'écrase mon ardillon. Et le pire c'est que la grosse je l'ai fait avec ardillon écrasé. La grosse, je l'ai fait avec ardillon écrasé. Il aurait pu se passer un drame. Bon, on faisait 30. Non, enfin, 25, pas 30, 25. Moi, je suis content, j'ai validé la taille 60. Ouais, un peu plus grosse. J'ai du fil dans les mains. J'arrive. Ah! Oh, elle est jolie en plus. Ouais, elle est belle. Correct. C'est bon, ça a bien joué, mon pote. Terrible. Et merci. Hop. Voilà, petit truc de Guillaume à la cuillère. J'étais en train de refaire mon nœud. Magnifique. Yes. Très palote, mais bien active. Palote. C'est encore bien. Tombe pas à la baille. C'est encore bien, bien piqué. Ouais. Elles en volent. Hop. Ça va repartir. Comme une fusée dans comme le courant. Tac. Bien joué mon pote, c'est bon ça. C'est génial. Je te laisse te décrocher. Ouais, vas-y. Hop. Oh, j'étais en plein noévier, du coup tu m'as distrait. On a continué à enchaîner les touches avec Guillaume, donc lui avec sa cuillère et moi avec mon petit Jackie. Quelques décroches pour ma part, malheureusement pas filmées avec la GoPro qui m'a joué des tours. Pareil pour Guillaume, une décroche ou une touche loupée. C'était une belle truite d'au moins 50 qui était postée tapis dans l'ombre, bien foncée, donc vraiment une magnifique truite. Malheureusement la GoPro nous a joué des tours sur la fin de session, notamment dû à la chaleur je pense. Et j'ai loupé là une belle séquence. Guillaume nous a fait un poisson exceptionnel. Donc je vous mets juste l'action en audio qui a été enregistrée. J'avance un peu.
Attention, tu ne pourras pas plus, c'est beaucoup plus sensible. Ah ouais, après on peut plus. Ah ouais, après c'est propriété privée. Oh. C'est bon, ça fait 50. Temporise. Ça fait 50. Non, ça fait pas 50, mais... Oh, c'est pas loin. Putain. Mais non. Mais non. Mais non. J'ai taillé, gros. Mais non. Putain, mais non. Bien joué, mec. Ah, putain. Oh, c'est long, oh là là. Guillaume qui vient de me refaire une magnifique truite, j'étais déjà parti, j'ai dû courir, là les, dans les puisettes, on va la remettre à l'eau, on l'a mesurée, remise dans l'eau, photo, remise dans l'eau, pour les garder un maximum dans l'eau. Vas-y, là je pense que tu peux la remettre dans l'eau. La truite de Guillaume qui est en train de repartir. Quelle beauté, vraiment. Magnifique. Ça y est, là elle se réoxygène tranquillement. Ouais. Bah voilà les gars, on est quelques jours après. La session de la fermeture truite, c'était clairement une session d'anthologie, je pense. On s'en souviendra pendant longtemps. Ouais. Ah ouais, c'était incroyable. Donc, comme ça vous a bien plu dans la dernière vidéo sur le bar, on va vous faire un petit récap pareil, mais cette fois-ci pour la truite. Donc, en vous présentant les leurres qui ont marché, les techniques de pêche et puis comment on a abordé les spots de manière générale. Voilà, voilà. Bah, déjà, je pense pour dire comment on a abordé la rivière, on l'a abordé tout simplement en amont en fait. On pêchait amont, donc on remontait la rivière. C'est ça. C'était C'est ça, on suivait, on faisait bordure dans nos pieds et bordure, l'autre bordure, la bordure d'en face. Ouais, parfois dès que la bordure était pas trop praticable et qu'on pouvait pêcher vraiment la rivière en biais, bah, on lançait, on laissait un petit peu dévaler le courant et ça faisait un arc de cercle. Donc on faisait ça, mais sinon la stratégie c'était en fait de remonter la rivière. Donc concernant les leurres qui ont marché, bah, on va commencer peut-être par toi parce que chronologiquement c'est ça qui a marché en premier. C'est ça qui a marché en premier. Donc, même si j'avais pris une touche avant avec ton Jackie. Ah ouais, c'est ça. Sinon, c'est cette petite créature. Donc, hop. Je vais faire des plans. La Néiade. La Néiade en 50. Donc, de chez Gunkey. Petit clin d'œil à Bruno, le copain. Donc, en coloris motor oil. Et donc, vraiment, style une pêche au toc. Avec très peu plombé. Donc, 1 gramme à déballer le courant. Et vraiment une pêche à soutenir comme ça et à attendre l'interception, et c'est ce qui m'a valu un joli poisson, ouais, en tout début, et une décroche aussi. Ouais, bah carrément, parce que j'étais passé dans une fosse, j'étais passé au Jackisha de 75, j'ai vu que j'avais fait bouger une belle truite et elle a dû taper dans le paddle, mais c'est pas franc. Et Guillaume est passé après avec sa technique et vraiment, comme il dit, pêcher à soutenir, vraiment en laissant dévaler le courant. Toute petite plombée de 1 gramme, c'est ça? C'est ça. Et puis bah ouais. Il a pris le poisson, donc il a décroché malheureusement. Alors, mais on voit, ça a vraiment fait la différence, quoi. Ouais, c'est subtil, faut être attentif, mais de toute façon la truite elle nous laisse pas de chance, hein. C'est clair. Voilà, voilà. Donc après on arrivait sur une partie de la rivière, bah il y avait un peu plus d'eau, moins de courant, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas mettre un petit jacky, un petit leurre souple. Alors j'ai commencé, je mettais beaucoup la taille 50, donc là c'est monté avec une TP donc de Gunkey, pareil, 1,5 g, donc vraiment voilà, petit plombage pour vraiment pas trop piquer et rester quand même un petit peu en plein eau, on va dire. Donc j'ai décroché, il me semble, 2-3 poissons, et après bah, vous avez vu l'action de dingue, j'ai fait mon record truite donc avec le Jacky. Donc c'était le Jacky en taille 50, c'est pas tout à fait ce coloris là, c'est un coloris un peu plus vert naturel. Donc, voilà, comme ça la paddle est coupée là. Mais c'est à peu près cette coloris là. Bah en fait le même coloris que Guillaume. Guillaume il a pris son record avec le même leurre. Ouais, une belle truite de 50. C'est ça, belle truite de 50 en début de saison. Une joie immense. Ah c'était magnifique. Donc le Jackie je l'utilisais donc soit quand c'était des zones avec un fond assez modéré, tout simplement en linéaire. Voilà, j'avais pas le choix parce que sinon la TP a touché le fond. Et sinon dans les fosses, donc c'est comme ça que j'ai pris mon record, je faisais ça en twitching pose. Donc en gros ce que j'appelle twitching pose, c'est que je lançais en amont de la fosse, je laissais dévaler le fond avec la fosse,
je faisais tac tac tac, des petits coups de canne sec, et je laissais retomber un petit peu, bah, comme un peu à la pêche au toc. Et généralement je me prenais des touches, c'était vraiment à la redescente. C'est comme ça que j'ai pris la truite. Malheureusement la touche n'est pas en direct, mais c'est comme ça que je l'ai prise. Elle est sortie de l'herbier au moment où mon jacquet était en train de planer. Voilà. Et sinon pour la suite de la session, j'ai utilisé aussi la taille 60 en coloris un peu plus foncé. J'ai décroché 2-3 poissons il me semble avec. Exactement. Et voilà. Donc moi j'ai pêché essentiellement au leur souple. Et après toi t'as pêché bah, à la cuillère justement. C'est ça. Après toi la taille 50 marche super bien, mais ouais, c'est vrai que faut vraiment pas hésiter à monter en taille. C'est. Voilà. C'est pas négligeable. Carrément. Et sinon, oui, donc bah, l'arme du crime. Ah ouais, carrément. clairement. Je fais 9 poissons lors de cette session. Donc ouais, c'est une cuillère toute simple, caperlan. Je sais même pas. C'est je... numéro 1, c'est ça? C'est numéro 1, okay, c'est ça. Donc avec donc doré, avec des tout petits motifs comme un nid d'abeille, jaune. Mais celles-là justement ils sont, je trouve ils sont plus compliqués à trouver parce qu'on a tous en tête les cuillères soit dorées soit argent à point rouge, mais celle-là elle est juste dorée. C'est ça. Et peut-être que ça fait la diff parce que justement j'ai essayé un petit peu à la cuillère dorée point rouge et j'ai pas eu de résultat. Alors que Guillaume nous fait deux poissons exceptionnels avec cette couleur là. C'est donc, ça. C'est ça. Et avec un assist hook, donc rouge. Ouais. Avec une hampe souple, ça, donc mal, qui, je sais pas alors si ça a fait, si ça a fait la réussite, on va dire des poissons attrapés parce que ça a tendance quand même à se décrocher pas mal de fois les truites. Alors la flexibilité, est-ce que ça absorberait pas les coups de tête des poissons? Ouais, pour moi, ça joue quand même pas mal, je pense. Et la couleur rouge aussi, ouais, de la ligature qui fait que. Bah, ça peut être aussi attractif, un peu comme les pêcheurs de brochets aiment ajouter des petites paddles rouges à leur leurre. Voilà. Même à l'ancienne, là, les anciens qui mettaient de la laine rouge sur les triples pour faire les signatures. C'est ça, tout à fait. Il y a peut-être un truc qui se joue aussi là-dessus. Y a parce un que truc, ouais. Honnêtement, moi, pour avoir essayé la cuillère, après, c'est pas exactement la même, mais pour avoir essayé la cuillère avec des hameçons noirs, on va dire classiques, en nickel. Bah, ouais, je crois que c'est du nickel, enfin, c'est revêtement nickel, je crois. Bref, j'ai pas eu de résultat, j'ai eu aucune tape, aucun suivi. Alors que Guillaume a fait deux poissons de plus de 40, ouais, une de 42, 43, une de 47, c'est si ça. Je me trompe pas. C'est ça. Donc voilà. Et puis beaucoup de poissons décrochés ou loupés, quoi. Une belle, peut-être même qui faisait 50 aussi. Une très très jolie, qui était ouais, bien noire, ouais, postée dans l'ombre. Donc voilà, pour dire qu'en fait, la cuillère ça a vraiment bien marché. Leur souple aussi, un peu moins, je trouve quand même. La cuillère vraiment ça a cartonné donc c'est une des pêches les plus simples et les plus efficaces quand même. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Trop bien. Voilà. N'hésitez pas, ça coûte rien. En plus ça coûte rien si on les met dans les arbres, bon, donc, voilà. Ça fait chier mais bon, c'est un peu moins grave quand même que des leurres des PN à 20 balles quoi. Exactement. Donc voilà. Ah c'est vrai qu'au PN on a même pas pêché au PN en fait. Non, très peu. Bon, très pourtant peu. On a des PN dans nos boîtes mais enfin moi j'en ai mis un mais j'ai vite fait arrêter, j'ai remis un petit jacky en 50 ou en 60. 60 ou 65, je sais même plus, 60. Enfin voilà. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, on s'est vraiment éclaté à faire cette session. Justement, on est un petit peu dégoûté que la saison truite s'arrête parce qu'on aimerait bien y retourner, mais bon, c'est la vie. Vivement l'ouverture. Ah, c'est ça. On est déjà hypé pour l'ouverture, mais bon, c'est bien de finir sur une bonne session comme ça. Carrément. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, liker et abonnez-vous. Salut. Allez, à plus et... Checkez la description pour voir toutes les références. Bien sûr, bon, les jacky 60 et 50 ils sont pas encore dispo, mais ça ne saurait tarder, donc n'hésitez pas. Allez, à plus.